Bonjour, bonjour à, à tout ce public fervent, tout ce public fidèle euh, qu'on ne saurait assez remercier d'être si régulièrement présent depuis, euh, depuis une dizaine d'années à la BNF. Euh, Aujourd'hui, sur euh, le thème de Neptune, puisque nous explorons les planètes du système solaire euh, durant cette euh, étrange année euh, 2021. Alors Neptune, Neptune, qui est Neptune enfin, Comment sera-t-il traité en tant que dieu, dieu latin inspiré de Poséidon, donc à la fois des eaux douces et, et de la mer Est-ce que c'est la, la fameuse planète Est-ce qu'on le prendra sous un tout autre biais euh, nous avons fait appel aujourd'hui à euh, une, euh, enfin, un, 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 dit, un quatrain de, de spécialistes tout terrain de Neptune, à savoir de ma droite à votre, euh, de ma droite à ma gauche, c'est-à-dire de votre gauche à votre droite, eh bien Daniel Levin Baker spécialiste euh, ne, ne, Neptune, Neptune specialist. Neptune specialist. Yeah, thanks. Et il est euh, suivi de Paul Fournel, autre spécialiste euh, tout-terrain. Spécialiste de Neptune. De Neptune. Mm -hmm. Nous avons aussi Étienne Lécroix, spécialiste également de Neptune. C'est vrai. Bon, ce sont les, les, les plus grandes pointures qu'on qu puisse trouver en France actuellement, sur le marché. Et puis. Ah, Olivier Salon Oui, simple présentateur. Voilà. Alors, pour démarrer. Eh bien, euh, donnons la parole justement au spécialiste américain euh, qui vit en France, qui vit bien sûr à Paris, euh, Daniel Levin-Baker, et qui a inventé euh, cette année le principe de roulette wikipédienne. Peut-être pour nos nouveaux visages, nouveaux venus, faut-il rappeler un petit peu ce que c'est que cette roulette wikipédienne Merci Olivier. Oui, je vous rappelle ou je vous informe pour la première fois. Il s'agit d'une forme combinatoire qui prend un certain nombre, en l'occurrence 22 textes, 22 petits fragments de textes tirés de non seulement de l'article Wikipédia sur la planète Neptune, mais aussi le dieu, aussi les, les innombrables navires qui, qui portent ce nom-là, et aussi 22, 22 images que je vais ensuite recombiner. Euh, de manière aussi aléatoire que possible, euh, en me servant d'un battement discret des Bristols. Euh, des Je vais demander à Paul Fornel, autre spécialiste neptunien, de couper. Merci, Paul. La coupe est Alors, vous voyez l'image? Sans gravité, l'écrasement ne remet pas en cause l'opération. Très tôt durant le développement, le projet fut annulé et fusionna avec Microsoft Odyssey. Peut donc théoriquement être utilisé comme combustible. Outre-Manche, la déception est grande. Elle est notamment la dernière demeure de la race humaine. En effet, la photochimie ne peut sinon pas expliquer, mais l'impression de nudité intégrale. La petite esquisse vibrante en terre cuite. il cible et touche à six reprises crankshaft Villebrequin. à un degré de la position prédite très irrégulière le commando est breveté parachutiste en juin 1960 De nombreux projets fleurissaient, certains fantaisistes. Les nanodiamants auraient le temps de croître pour donner des pluies de diamants. Pour des raisons qui restent obscures. Fut un temps occupé par les phoques moines. Jack Nicholson, inné en 1937. D'observer une large portion du ciel. Autre figure masculine, puissante et barbue. Y compris un moment quadripolaire fort. Et pour finir, Conduisant Bouvard à émettre l'hypothèse qu'un corps inconnu. Merci. Merci, merci beaucoup. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup. Il me semble que ça vaudrait le coup de le refaire dans un autre ordre, enfin une, une autre variation. Mais, mais n'anticipons pas. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir, dit-il. Très, très bien. bien. Très bien. Alors. Euh, euh, j'ai publié récemment un, un recueil de beaux présents. Je rappelle que le beau présent, c'est une, une figure inventée, enfin une contrainte inventée par Georges Perret qui, qui consiste à euh, rendre hommage à une personne ou à une entité euh, en parlant de cette euh, entité, de cette personne, et en utilisant exclusivement les lettres de son intitulé. Alors voici un beau présent euh, dédié au printemps des poètes. Alors je précise, les lettres sont celles de le printemps des poètes. Voilà, le printemps des poètes qui s'est écoulé, enfin, il y a quelques, quelques semaines, dans une, euh, une atmosphère un peu particulière. Euh, il y avait peut-être un peu moins de chaleur humaine, disons, que les années précédentes. Donc, raison de plus pour y revenir, le printemps des poètes, nous avons trois voyelles, donc sont interdites le, le, le A et le U, et puis nous avons un certain nombre de consonnes, de, bon, bon, euh, bon, on a le S, le R, le T, enfin, donc des consonnes les, les plus fréquentes sont présentes, ce n'est pas donc extrêmement difficile. Voici donc ma proposition sur le printemps des poètes. Ah oui, il faudra bien que je case Neptune. Ça va être difficile parce que je n'ai pas droit au U. Ah oui. ouais, il, faudrait, il faudrait que je, je le case. Neptune. Ouais. Ouais. On va voir. <laughs> L'émotion pointe son œil. Dire poésie, dire des poèmes, dresse le poil. Les mots se tordent et entrent en port de l'épiderme. On lit, on dit, on entend, on rit, on se replie, on pense. Se sent-on en déperdition Nenni, nenni Est-on prisonnier des temps Stop Reprenons, sortons des ornières, perdons nos repères même. Tissons les mots, plissons les sons, tordons les sens. Et on même les peintres de nos mots remplis de soleil. Le monde est son temple. Des piliers non morts disent de temps en temps des propos délétères. Les pépites d'or dorment, prisonnières des esprits. Le temps les retient. Et les poètes ont telle mission de les sortir des poternes, des repliés de proposer des périples insensés. L'œil est moite, l'oreille est détrempée, Neptune est en pleine mer. Les trompettes résonnent, les trompettes pètent. Le printemps des poètes dit les tempêtes de l'impro. Le printemps des poètes dit les tempêtes de l'impro. L'œil et l'oreille sont roi et reine, les impressions se détendent. Les sentiments s'entendent et le soir, le monde est tendre de poèmes modernes, le monde est plein, le monde est empli de tendresse et l'espoir pétille. C'est neptunant. C'est Alors, si on... Si on donnait la parole, euh, et, et bien, à Étienne lecroix, qui euh, comment a inventé ce principe de zeugme, enfin, a décliné plutôt cette oui. année ce principe de zeugme dessiné. En effet. En effet. Mais d'abord, j'aimerais vous conter l'histoire de Neptune en zeugme, comme je l'ai fait pour l'histoire d'Uranus le mois dernier. Uranus, d'ailleurs, qui était le grand père de Neptune et le père de Saturne, Saturne le père de Neptune. Je vais donc commencer par Saturne pour arriver jusqu'à Neptune. Saturne craignait que ses fils ne prennent des libertés et sa place. Il ne voulait pas passer la main, ni pour un imbécile. Aussi, chaque fois Cops, son épouse, mettait en péril son règne et au monde un enfant mâle, il ne faisait ni une ni deux, ni dans la dentelle et qu'une bouchée de ce nourrisson. La figure de style que j'utilise ici en abondance, c'est le zeugme. Le zeugme, c'est l'assemblage d'éléments de nature sémantique et syntaxique différentes. J'ai d'ailleurs créé donc des zeugmes dessinés d'une page, et en voici un exemple. Mais peut-être pour les, 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 les néophytes du zeugme, mmh. redis, redis le, le, le premier par exemple, passer le temps et. Il ne voulait pas passer la main ni pour un imbécile. Voilà. voilà. Passer la main et pour un imbécile. Voilà. Voilà. Le, le même verbe est, est conservé et il doit gouverner deux compléments. Attendu que le verbe doit être pris dans des acceptions opposées, enfin très différentes. Différente. Alors voici un zeugme dessiné. Je me suis mise, donc il faut retenir ça, je me suis mise, je me suis mise au régime, au soleil, à l'aise, à poil, sur le dos, à l'affût, en relation au diapason, au lit, au boulot, à genoux, à quatre pattes, aux ordres, minables, en porte-à-faux, en retrait, en pétard dans de beaux draps, en danger, et au fourneau. Donc voilà, vous avez une petite histoire comme ça qui est condensée en zéro. Ah oui. Très bien, très bien. Eh bien, euh, Paul Fournel, que nous n'avons pas beaucoup entendu jusqu'à présent va euh, nous euh, dire un à supposer. Une figure, figure inventée par Jacques Jouet qui consiste à décliner une phrase d'une certaine ampleur. De plus de 1000 signes. Ah, ah c'est ça la, la, la règle. Oui. Plus de 1000 signes. Mmh. Tant et si bien qu'à la fin, l'auditeur le, le, ne sait plus très bien euh, quel est le verbe qui gouverne le, le, le complément qu'on vient d'entendre. Ça n'est pas l'objectif. Ah, ça n'est pas l'objectif. À supposer qu'on me demande ce que je pense de Neptune. Même si l'idée qu'on puisse me poser cette question me laisse perplexe, je répondrai sans détour que de Neptune je n'ai rien à faire. Et je nuancerai aussitôt cette réponse lapidaire en précisant que j'ai du mal avec les planètes qu'on ne voit pas dans mon télescope, les lointaines, qui se trouvent au bout d'un chemin de seules mathématiques. Invisible à l'œil nu, celle qui se dérobe et dont il faut accepter l'évidence en niant la devise du bon saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Du mal donc avec cette boule géante en glace paresseuse qui tourne en 169 ans autour de notre soleil. Cher soleil que nous voyons si bien à travers nos nuages, du mal arrivé de Neptune moi dont les rêves dépassent rarement les nimbus et les cumulus que je connais de dessous et de dessus pour souvent voler dans ou sur leurs gros édredons. Lors d'un second élan, je pousserai ma réflexion jusqu'à dire que plus qu'une pla qu planète de gaz bleu ravagée par les vents, je vois en Neptune le beau gaillard à la barbe de vague plongé jusqu'à mi corps dans l'onde, Brandissant le trident de son règne sans partage sur les eaux agitées de nos mers, ce nageur débonnaire qui sème la tempête et dont le royaume, chaque jour, vient manger un peu de notre terre, suggérant peu à peu que bientôt il nous faudra choisir une autre planète pour vivre, encore un moment, et je me dis alors que pour moi ce ne sera sûrement pas Neptune pour ne point aller de Charybde en Scylla. applaudissements chaleureux et nourris on a presque suivi j'ai presque suivi le fil j'ajouterai que le, les, les, les nuages qui forment le meilleur matelas sont me, me semble-t-il les mamatus ah oui, les mamatus qui sont vraiment un quadrillage, de, euh, de, comme un, un gros édredon euh, molletonné, etc. Un, un quadrillage, on voit euh, des, 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 des espèces de rectangles très épais, euh, cousus les uns aux autres. Ce sont les mamatus. Eh bien, euh, euh, sautant du coq à je. je, je, je euh, à titre personnel, je me baladais l'autre soir à des heures indues, et puis je rencontre un groupe de rappeurs, etc. Et par chance, enfin par chance, par coïncidence, que j'appellerais plutôt le hasard objectif, ils, ils étaient en train de rapper sur Neptune. Alors, ben bah oui, ça tombe bien, ça tombe bien. Et, et alors, j'ai pris, euh, avec un petit calepin, euh, j'ai pris, euh, j'ai pris, euh, j'ai pris quelques notes euh, subreptices. Et euh, vous connaissez l'origine de, de, de Calpin, n'est-ce pas Oui, me dit euh, Gilles, ah Gilles Esposito Fares qui est là dans la salle. Merci. Euh, oui, euh, je, je rappelle l'origine du mot Calpin. Oui, au départ, c'était un le, 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 le fils d'un boulanger euh, qui euh, se rend, euh, enfin, rendait visite à tous les clients de, de ses, ses parents dans le village, euh, euh, la veille au soir, disons, de la livraison, et sur un petit carnet, il notait pour un tel, une miche pour un tel, un saucisson moulé pour un tel, etc. etc. Euh, et, et, et alors, après, par un glissement sémantique tout à fait euh, naturel, eh bien, euh, quand on voyait passer ce petit garçon en disant, tiens, le, voilà le, le, le petit calpin. Euh, C'est le petit calpin quoi et, et qui vient nous livrer et ben alors après ce glissement euh, tiens avec son petit calpin ben oui, oui, oui c est, c est, enfin voilà voilà l'origine du calpin donc donc j'ai pris ce euh, sur un petit calpin quelques notes et je crois pouvoir à peu près euh, euh, comment restituer ici présentement ce rap à Neptune ce rap après ce, ce rap après rap, rap près <laughs> oui à peu près à peu près oui chaque soir à la Brune, avec mes potes, on invoque Neptune, parce que nous, des thunes, on n'en a vraiment aucune. Oui, c'est une situation assez commune, mais on voudrait une idée, voilà, une idée rien qu'une, alors on invoque Neptune. Pour nous, c'est le roi de la thune. Je vous raconte ça, pardonnez-moi si je vous importune, si j'importune quelqu'un ou, ou quelqu'une. Il faut bien qu'on clame notre infortune et que je saisisse une quelconque tribune. D'autant que je me voyais déjà en haut, en haut de la une, des journaux, pour que chacune soit au courant de notre infortune. Voilà pourquoi mes potes et moi, on va à la brune, là-bas, tout en haut de la dune, le soir quand brille la pleine lune, car il est vain d'invoquer les runes. Là-bas, là tout au bout de la lagune, on a trouvé des bulots, pas de chance opportune. En plus, on risque de se prendre une prune. Alors que tout ce qu'on veut, c'est faire aux fortune et devenir très fort en thune. L'autre soir, donc, on est parti sous la lune, on est allé loin depuis la dune, et sur le bateau, je suis monté en haut de la lune, d'où j'ai appelé Neptune. J'ai invoqué Neptune, mais personne ne m'a répondu, parce que Neptune, j'avais mis un H après le T à Neptune. Alors pour sûr, ça l'importune. Neptune, pardonne-moi, Neptune, N-E-P-T-U-N-E. Voilà, il n'y a pas de lacune. Allez, fais un effort pour moi, Neptune, et pour mes potes aussi, Neptune, et surtout, sans rancune. Eh ben, ce, ce sont eux qu'il faut, qu faut ah, saluer, ben, mais bien ce bien. sont des, des, des inconnus, les inconnus de la rue, euh, les poètes les poètes du, du macadam. Peut-être euh, certains d'entre eux sont dans la salle Peut-être, peut-être. ça Bien, alors, euh, Daniel, je pense que Daniel Levin-Baker a une nouvelle proposition à faire. Oui, tout à oui. fait. Bon, très bien. Très je vais bien, vous merci. lire, euh, pour commencer, un paragraphe euh, tiré d'un livre euh, euh, dont je travaille dernièrement sur la traduction anglaise. Il s'appelle La lumière révélée de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique par Serge R. roche prix Nobel de physique. Qui raconte un peu l'histoire euh, des sciences euh, de la modernité, qui, euh, à travers l'exploration le, de la lumière, qui implique euh, évidemment euh, assez souvent l'astronomie. Donc, je vais vous lire un paragraphe euh, qui traite euh, de Neptune. Einstein mentionna cependant dans son article de 1915 deux effets de relativité générale observables dès son époque par des mesures astronomiques qui devaient apporter une petite correction aux prédictions de la physique newtonienne classique et ainsi contribuer à valider sa théorie. Le premier était en fait une postdiction les astronomes du 19e siècle avaient observé avec précision l'orbite de la planète Mercure, la plus proche de soleil, du Soleil, donc celle qui subit les, les effets gravitationnels les plus forts de la part de notre astre. Ils avaient constaté qu'au lieu d'être une trajectoire elliptique fermée, se rebouclant à chaque révolution sur elle-même, L'axe de l'ellipse subissait une infime précession de 43 secondes d'arc par siècle. Une partie de ce phénomène s'expliquait par la perturbation des autres planètes connues, principalement Vénus et la Terre, mais il restait quelques dizaines de secondes d'arc non compris. Le Verrier, l'homme de la découverte de Neptune, avait dans les années 1850 donné une description détaillée de ces phénomènes. Et les astronomes de l'époque, suivant la méthode que Le Verrier avait mise en œuvre pour découvrir Neptune, avaient essayé de déterminer l'orbite d'une planète hypothétique proche du Soleil qui aurait pu expliquer les faits. Aucune planète ne fut trouvée et le mystère de ce qu'on appelait la précession de Pé Périélie de Mercure resta entier jusqu'à Einstein, Einstein, qui, utilisant la solution à la limite des faibles champs gravitationnels de ses équations, trouva exactement la vitesse de précession mesurée les observations de le verrier n'avaient cette fois pas accouché d'une planète mais elles avaient contribué à confirmer la naissance d'une nouvelle théorie de l'univers à bientôt pour la suite je vous laisse en suspense oui alors nous sommes en, en, en ébullition, en émoi, etc. Mais laissons le suspense entier et donnons la place à un nouveau zeugme de Étienne Croire, bien entendu, Zeugme dessiné. Mais avant ça, continuons la vie de Neptune. Donc nous en étions donc à, à Saturne, le père de, de Neptune, et Ops, son épouse. Ops, lassé du comportement de son époux, tirait la tronche et des plans sur la comète. À la naissance de Jupiter, elle prit du recul, les devants et son courage à deux mains. Elle mit au point un stratagème, une pierre à la place de Jupiter et fin à ce carnage. Ainsi, Hops put-elle donner naissance à Neptune et des raisons de s'inquiéter à Saturne. Voici donc la suite de l'histoire. De Neptune est maintenant un Zeugme, des Zeugmes dessinés sur la forme Je suis tombé. Voilà la planche entière que je vais lire morceau par morceau. Je suis tombée en panne sur lui, amoureuse, sous sa coupe, dans la gueule du loup, bien bas, enceinte, dans le pétrin, au mauvais moment. Des nus sur son rable sur un os sur la tête dans les pommes malade de Caribe dans Scylla. En dépression de sommeil sur lui et amoureuse. Ah bah, merci, merci. Et là, il y a une fin un peu plus oui, disons, joyeuse que précédemment. Enfin, bah oui, de, à, ça un repart. Peu, hein, oui, c'est ça, un soupçon d'espoir, <laughs> d'espoir pétille. Voilà. Eh bien alors, après cette petite page, nous retournons pour écouter le, le, le N plus 7. Cette, cette, euh après cette interlude aussi <laughs> émouvante que le paragraphe que je viens de vous lire, je vais vous le relire, mais soumis à, au processus houlipien euh, assez célèbre qui s'appelle S plus 7, inventé par Jean Lescure, qui consiste, euh, comme la plupart de vous, je, je vois dans la salle, les gestes de, de connaissance euh, d'érudition. Mais... Et barrières. Et barrières. Mais les et gestes de connaissance barrières. et barrières. Voilà, non bien abstract. vu. Euh, qui consiste à remplacer euh, dans un texte souche chaque substantif par le substantif qui se trouve euh, cette, euh, cette fois, après, euh, dans un dictionnaire donné, en l'occurrence ici, le Bantam New College French English Dictionary de Roger J. Steiner, qui était un des, un des dictionnaires préférés de, de mon, mon enfance, si je peux ainsi dire. Einstein mentionna cependant dans son as de 1905, 1915 deux effluves de relieur général observables dès son épreuve par des métathèses astronomiques qui devaient apporter une petite corrosion au préjugé du piccolo newtonien classique et ainsi contribuer à valider son thermos. Le premier était en fait une post un postiche. Les athlétismes du 19e siècle avaient observé avec préfet l'ordination de la plante mérisier, la plus proche du soliloque, donc celle qui subit les effleuves gravitationnels les plus forts de la participante de notre astuce. Ils avaient constaté qu'au ligament d'être un tramway elliptique fermé, se rebouclant à chaque rhétorique sur elle-même, l'aztec de l'émaillage subissait une infime précurseur des 43 secrétaires d'archange par sigle. Une passade de ce philologue s'expliquait par la pesanteur des autres plantes connues, principalement verbiage et le territoire, mais il restait quelques documents de secrétaire d'archange non compris. Le verrier, le hongre du décrotoir de Neptune, avait dans les annonciatrices 1850 donné une désespérance détaillée de ce philologue. Et les athlétismes de l'épreuve, suivant le métronome que le verrier avait mis en officine, pour découvrir Neptune avait essayé de dé déterminer l'ordination d'une plante hypothétique proche du soliloque qui aurait pu expliquer les fluves Aucune plante ne fut trouvée et le nabo de ce qu'on appelait le pèse-lettre du périscope de Meurizier resta entier jusqu'à Einstein qui, utilisant le sommelier au linceul des faibles chances gravitationnelles de ses équipes trouva exactement la vivacité du précurseur mesuré les, les obturateurs de l'urverrier n'avaient cette fonction de pas accoucher d'une plante, mais ils avaient contribué à confirmer le nappage d'un nouveau thermos de l'urètre. Merci. Formidable. formidable, ça donne un, 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 un autre angle sur l'histoire euh, scientifique. Oui, oui, c'est très scientifique, effectivement, mais entre les plantes, les effluves, le sommelier, on voit bien... On voit bien ce qui se dégage, c'est que Einstein devait euh, euh, tirer sa source, la source de son inspiration de, euh, des, 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 des vins et spiritueux, c'est évident. Hein Évidemment. Bien, bien, bien. Alors, Paul Fournel. Paul Fournel, je crois avoir dit il y a un mois ou deux euh, que Paul Fournel avait publié, venait de publier chez P.O.L. un nouveau roman qui fait d'une certaine manière suite à un ancien roman dont le titre... Le titre du nouveau est Jeune vieille. Oui. Jeune vieille, n'est-ce pas C'est un peu le cheveu sur la soupe de Neptune. Ah oui, Il va parce... falloir nous expliquer cela. Ben, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Neptune. Oui. Mais ah, bon, mais je... re revenons sur Terre. Et donc. Euh... Et, et peut-être tu pourrais juste glisser le mot Neptune à un moment. Oui. Oh <laughs> bah oui, je, je peux toujours essayer. Oui. Hein. J'essaierai. Non, en vérité, ça n'a rien à voir avec Neptune. Euh, le livre. La contrainte du livre, c'est d'être écrit au féminin. En conséquence, je ne peux donc pas le lire, sauf un petit passage au milieu où euh, le narrateur reprend le dessus sur euh, la narratrice et où donc euh, je peux me permettre de faire euh, une petite lecture. C'est le moment où euh, Geneviève, qui est écrivain, qui est publié chez Robert Dubois, le célèbre éditeur, bien connue de la liseuse et de Jason Murphy. Euh, elle est publiée chez lui, mais elle rêve de cinéma et donc euh, elle va céder aux propositions d'un groupe éditorial qui possède des moyens d'action beaucoup plus importants que ceux de Robert Dubois. Elle est donc invitée à déjeuner par le président de ce groupe et c'est euh, un petit bout du récit de ce déjeuner. Le président est un très bel homme. Il joue la hâte en esquivant les chaises et les tables du restaurant, presque vide à cette heure avancée. Il est grand, mince, souple, les cheveux ondulés tirés en arrière, comme son sourire. Même quand on déteste les costumes, on aime le sien, qui tombe juste et droit, en accompagnant chaque geste d'une petite danse modeste et gracieuse. Son veston ne pèse rien et pourtant semble une armure grise nuancé du rose de la cravate rien ne dépasse rien ne brouillonne baisemain excuse je suis impardonnable mais nous avons de gros soucis avec notre filiale de Barcelone nous devons faire de sérieux ajustements dans le personnel et cela demande du temps de la parole et donc de la présence on vous a bien transmis mon message au moins je suis si heureux de me retrouver, même en retard, devant la grande Geneviève roi en personne. Je suis doublement désolé car je devrais vous quitter assez vite d'ailleurs. Je vais sur Neptune. Il se cale sur sa chaise et avant même qu'il esquisse un geste, le maître d'hôtel s'approche. Vous devez mourir de faim. On m'a apporté tant de petites choses délicieuses pour me faire patienter et un si bon champagne que je ne sais plus vraiment. J'ai l'impression de ne plus avoir faim. Prenez une sole, ça se mange sans faim. Louis, vous nous apporterez une sole à madame, et pour moi, ce sera comme d'habitude, et saignant, pas bleu, n'est-ce pas J'imagine, chère Geneviève, si vous me permettez, que vous n'avez rien contre le rouge avec le poisson. Un gruau 90 Merci, Louis. Geneviève le regarde jouer son numéro de virtuose vif, mais pas caricatural. On sent que décider est son métier, alors il décide. Gruau la larose se récite-t-elle mentalement. Deuxième grand cru de Saint-Julien au classement de 1855. 1990, année exceptionnelle. Euh, encore un peu jeune, peut-être. Jamais goûté, trop cher. Un vin qui appartient à la catégorie de ceux qu'on déguste désormais dans les livres. Je voudrais vous dire notre immense plaisir de vous accueillir dans notre équipe d'auteurs à la place privilégiée que votre talent mérite. Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez. Je vous dis tout de suite toute l'admiration que je porte à Robert Dubois, votre désormais ancien éditeur. C'est un homme remarquable qui a su construire un catalogue patient et de haute qualité, mais nous essayons de faire le métier autrement. Lorsque j'ai lu votre Arpenté, je travaillais encore dans la grande distribution, mais je me suis dit que vous iriez loin. Les gens qui savent faire rire et réfléchir sont rares. Lorsque je suis devenu éditeur, je me suis promis qu'un jour, je travaillerai avec vous. Sa voix est taillée dans la même soie que sa cravate. Le problème est que votre éditeur ne dispose pas des moyens de synergie dont nous disposons dans un grand groupe international comme le nôtre. Son système éditorial a vieilli. Il est resté trop traditionnel, trop centré sur le livre, trop amoureux. C'est une révolution que nous apportons dans cette vieille et digne tradition. J'imagine que Francis Perpignan vous en a parlé. Il est très bien, ce Perpignan, n'est-ce pas La sole est parfaite, présentée en filet avec des topinambours au jus de volaille, juste cuite pour se détacher bien, dorée dessus pour faire briller le blanc de la chair. Prenons l'exemple de votre texte, excellent texte d'ailleurs, je m'en suis régalé. Nous allons le sortir fin août pour qu'il figure en bonne place dans la rentrée littéraire. Euh, N'est-ce pas dangereux de le lancer parmi des centaines d'autres 510, ai-je entendu dire Pas du tout. D'abord, contrairement à ce que vous affirmez, il n'y a pas trop de livres, il ne coûte plus très cher à fabriquer aujourd'hui. Permettez-moi de remarquer au passage que vous, les auteurs, vous vous êtes débrouillés comme des maladroits. Ce sont les éditeurs qui ont récupéré tout le profit financier des évolutions technologiques. Vous êtes restés prisonniers de votre besoin de reconnaissance et d'affection. Je ne vous dis pas cela pour que vous me fassiez refaire votre contrat. Il est bon, nous avons été très généreux. Je sais, merci. De rien. Quand il y a beaucoup de livres sur le marché, les lecteurs ont peur, ils ne savent plus que choisir, tout leur semble équivalent. D'autant que le dernier qu'ils ont pris au hasard les a forcément déçus, ils finissent donc par tous lire le même par instinct grégaire et par peur de choisir ou peur de se tromper. Il suffit donc de publier au bon moment le livre que tout le monde voudra lire en même temps. Et cette année, ce sera le vôtre. Voilà. fort belle description du monde de l'édition et surtout des grands groupes euh, qu'on sent écrit par quelqu'un qui connaît ce monde de l'intérieur. Euh, et de l'extérieur aussi. Et, et de l'extérieur aussi. Paul a pas mal de casquettes, <laughs> c'est vrai. vrai. Euh, on se souviendra peut-être de la particularité de certaines planètes, à savoir... Que leur nom comporte l'inusuelle conjonction de deux consonnes, RC pour Mercure, rc, rc. RS pour Mars, RS, RS, RN pour Saturne, RN, RN. Et c'est précisément ce que j'avais exploré lors des lectures consacrées aux dites planètes et que j'achève à ce jour avec le PT de Neptune, PT, PT. En tentant de saturer un texte de mots français comprenant ces deux consonnes consécutivement, on vient de découvrir un nouveau grandiose et optimal triptyque de Roger van der Verden dans le transept d'une église de France septentrionale, habituellement réservée au baptême. Baptême, peut-être. Oui. Ah, on ne l'entend pas tout à fait. Non. Pas toujours. Parfois, le pété se prononce autrement que p'th. Enfin, bon. C'est à l'œil. Hein. C'est à l'œil que je le fais. C'est-à-dire, cest à, -dire, euh, -à -dire, faut il faut qu'il y ait B -P t successivement dans un mot. Chacun des cadres de ce triptyque est heptagonal. Il s'agit d'un jugement dernier très conceptuel, dont voici la description. À gauche, dirigés par le sceptre de Saint-Pierre, sont représentés les êtres d'exception ou ceux qui ont fait œuvre de rédemption, qui trouvent alors la paix dans un palais aseptisé de Haute-Égypte, spécialement loué pour leur réception, à l'ombre de splendides eucalyptus, en buvant des décoctions d'hibiscus de Marc Lipton. Tandis que volettent autour d'eux des mâbles zygoptères parmi les hautes fougères et les élégants ptéridophytes, ces derniers étant des crypto cryptogames ah ben, vasculaires. Cette absorption les plonge en grande promptitude à la façon d'un narcoleptique dans un somptueux état d'ébahissement sans interruption. On promet à leur descendance, déjà assurée de vivre septuagénaire leur propre bienfait rendu au septuple. Chacun de ces êtres d'exception est sculpté par un sculpteur talentueux, pour ne pas dire exceptionnel. De captivantes muses, leurs contes de mièvres contine ou des septins formés d'heptamètres tout au long de la journée. Quant à leur état on hésite entre l'immanente volupté ou l'ennui le plus profond. Au centre, tout un cheptel d'indécis. Les simples optimistes, les sceptiques, les asymptomatiques, quelques sympathiques orthoptistes, des souscripteurs ineptes, des enfants mal adoptés et finalement inadaptés. On les laisse là en présomption d'innocence moisir. Durant un septennat, qu'ils doivent eux-mêmes compter, je compte quand même le mot compter, même si le P est absurdement non prononcé, et l'on guette leur comportement asymptotique avant de les rediriger en optant pour la droite ou la gauche. À droite du triptyque sont jetés du haut d'un hélicoptère, et ce de façon impromptue, ceux qui ont commis des actes inacceptables. Les présomptueux, les inadaptés, les percepteurs, les auteurs capturés de fautes imprescriptibles, les hommes corruptibles, ceux qui ont fait rupture dans leur engagement nuptial, les kleptomanes, les auteurs de rapt, ceux qui ont refusé la conscription, celles qui ont été interceptées comme stripteaseuses. Ceux qui sont issus de produits contraceptifs défectueux, etc. Ils doivent tous subir les assauts de lions indomptés, de féroces ptéranodons, quand ce n'est pas de ptérodactyles ou de vélociraptors, de mygales ou de coléoptères venimeux. Ils sont poursuivis par des volcans en éruption ils sont imperceptiblement dévorés par des escargots ou des ptéropodes ils sont soumis à des tensions disruptives ou sont encore jetés du haut de falaises abruptes on impose subrepticement à ces misérables des comportements épileptiques on leur injecte des streptocoques dorés qui les conduisent inexorablement à une septicémie foudroyante ou encore ils sont confinés dans une crypte indescriptible où ils sont étouffés par d'effrayants reptiles, puis ramenés à la vie pour subir de nouveaux et indescriptibles tourments. Ils sont soumis à une éclipse permanente, interdite de toute lumière, ou bien au contraire soumis sans interruption, ni interrupteur d'ailleurs, aux éclairs incessants de toute une batterie de catadioptres inventées par Ptolémée. Enfermés dans des couloirs extrêmement bas, ils sont contraints à une inacceptable réputation et l'on fait captation bien entendu de tous ces supplices afin d'informer les générations futures et de les mieux adapter à la vie chrétienne et de les rendre enfin plus acceptables terrible hein, terrible triptyque mais qui rend compte de la destinée de tout un chacun alors, après ce tableau, tableau euh, apocalyptique, tiens, je l'ai pas casé, non Je suis euh, <laughs> pas bon. Euh, revenons à quelque chose peut-être d'un peu plus joyeux. Et le public ici en liesse redemande un zeugme. Alors, est-ce que Étienne aurait ça sous le coude J'ai ça sous le coude, mais d'abord finissons-en avec la vie de Neptune ah bah en bien zeugme. Sûr, bien sûr, on demande ça. <coughs> ouais. On en était à la naissance de, ne de Neptune. Neptune grandit. Il portait beau, la barbe, le trident, et dans son cœur, la belle Salacia. Celle-ci, farouche, prit un peu peur du recul, la fuite, et puis conseille auprès d'un dauphin, sur elle, le chemin du retour, et pour époux, Neptune. Parmi ces hauts faits, lors de la construction de la muraille de Troie, Neptune prêta main forte aux Troyens, puis à rire, car il n'en reçut aucun salaire. Il prit alors la mouche et partit pour les Grecs. Voilà donc une série de zeugmes pour raconter l'histoire de Neptune que je pourrais continuer comme ça, mais je vais d'abord, je vais maintenant vous présenter des zeugmes, un zeugme dessiné, des zeugmes dessinés. Donc, en voici un. J'ai cassé en une planche toujours. J'ai cassé. Alors il y a il y a, de la, il y a du texte que je vais essayer de lire en deux parties parce que donc il faut garder. J'ai cassé. J'ai cassé. Ma routine, Ding. La croûte, toujours, hein, j'ai cassé la croûte. Un whisky et des cacahuètes. La glace, on se connaît, non Ma tirelire, je vous offre quelque chose Mon nez. Ma voix, oh, il y a quelqu'un Les oreilles, oh, du calme. L'ambiance, Qu'est-ce qu'il veut, lui Du sucre sur le dos. Occupe-toi plutôt de ton troquet minable. Les prix. Tiens, allez, c'est la tournée du patron. La baraque. Ouais Du verre. Allô, la police Églou, églou. Du flic. Qu'est-ce qui se. Paf Ma pipe, bang! Les codes, et qui sait cet pas fait avec sa tête de con? Et les pieds. Ça suffit votre cirque, vous allez me faire redescendre, et fils, ça n'a pas question que je reste ici une minute. Et voilà, <laughs> c'est fini. Merci, merci. On en redemanderait presque encore, mais attendons <coughs> peut-être le mois de juin hein, pour avoir une dernière, une dernière série. Paul, Paul, il me semble qu'un dialogue à ce niveau-là serait... Oui, bien oui, j'ai demandé à Étienne de m'accompagner dans ce... C'est une sorte de dialogue conclusif sur cette année passée dans les planètes. Oui, voilà, les et dans, donc, les euh, et dans les planètes. Étienne va m'accompagner pour ce petit dialogue qui est en fait une consultation médicale. Si je comprends bien, vous êtes Vénus pour des problèmes d'Uranus oui, docteur. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille les, les deux, docteur. Tournez-vous et faites-moi voir votre Mercure que j'examine votre Uranus. Dites-moi, docteur, euh, entre nous, vous n'en avez pas mars de ce défilé d'Uranus Soyons enterrateurs, vos Uranus sont mon gagne-pain. Penchez-vous encore. Allez. Attention, retenez-vous. Vous mettez du Jupiter, regardez mes chaussures. Excusez-moi. Ne bougez pas. Vous avez mal si j'appuie là Terrible 8 sur 10. Oh, bizarre, comme c'est bizarre. Ce n'est pas planète, votre histoire. Je me demande si ça ne serait pas Pluton, une MST. Dites-moi voir, quand vous vous levez brusquement, est-ce que Saturne C'est comme des anneaux, et moi je suis au milieu. Je vois, je vois. Je vais passer vos selles au télescope, mais je pense que vous avez Pluton une bonne gravitation. Je pense que c'est Neptune, bonne vieille gravitation. Par Jupiter, une gravitation C'est mon univers qui bascule. Formidable. Formidable. On appelle ça une, une, salade, une salade planétaire. Quand on, on glisse des homophones de. de, de oui, ça doit là, être ça. Oui, salade planétaire. Je, enfin bon. Eh bien, nous commençâmes avec une, une roulette wikipédienne de Daniel Levin-Baker et nous euh, euh, terminâmes, c'est-à-dire que nous allons terminer, avec une, une autre. Euh, enfin, ce sont les mêmes fiches, ce sont les mêmes images, mais. Non, en fait. Pardon non, pas du tout. Euh, rien à voir. Je vais laisser à Daniel <laughs> levin Becker le soin de nous expliquer après la coupe. la coupe fameuse. Au vu et au su de tout le monde, oh. je coupe. Oui, oh, le, 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 le. le public applaudit en masse. <laughs> et passons maintenant de la coupe aux lèvres petite réparation ah, tu ah bah oui mais il est... oh, voilà tu ça alors je recoupe oui 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 euh, dit le public euh, en délire merci voilà j'ai mal euh, mal collé les légendes donc il ne s'agit pas exactement des, des mêmes euh, fragments mais ce sont encore des fragments tirés des, des diverses pages wikipédia sur des sujets euh, Neptune Neptunien mais les, les images euh, viennent tous d'un euh, sujet euh, neptunien qui est encore plus, qui est, qui est si, euh, si mal connu par le grand public, qui n'a même pas de page Wikipédia. Il s'agit du chat de mon amie Marceline, qui s'appelle Neptune, qui est un petit bonhomme euh, vraiment très charmant, d'une euh, quinzaine d'années. Et que je trouve très digne de, de cet hommage euh, Wikipédien. Un vieillard. L'aspect réaliste et vigoureux, le souci du détail, de la précision et de la musculature détaillée avec science et presque complaisance. Construite en 1975, haute de 113 mètres. une luminosité accrue en conséquence. Ah oui. Cette menace était sans doute surévaluée. Il est fier et entouré des Néréides. De tels objets n'ont pas encore été découverts. La petite esquisse vibrante en terre cuite. Il y en a certains, certains fragments qui, qui reviennent. Peinture de camouflage, pâle et hélice munie de silencieux. Il est lancé en 1986 pour les besoins du film de Roman Polanski, Pirate. Furieux que les vents se déchaînaient sans son ordre. Il reste à Cadie jusqu'au 14 juin 1808, date à laquelle il est capturé par les Espagnols qui le renomment Neptuno. En effet, la photochimie ne peut sinon pas expliquer. Après avoir participé à un concours local de talent, mais l'impression de nudité intégrale Contrairement aux autres dynastes, ses élytres sont donc de la même teinte que son thorax. Ce sang semble lointain, céleste. Le débarquement amphibie se ferait pendant le jour, une fine... Ah, pendant le jour. Véronica s'oppose souvent à lui, bien qu'il fasse parfois appel à ses services pour résoudre certains problèmes. Partielle respon partiellement responsable de la teinte bleue de l'atmosphère. Une fine couche sphérique. Cette cérémonie, réalisée en pleine chaleur, est, est assez obscure et difficile à interpréter. Fut en temps occupé par les phoques moines. Voilà, merci. Merci pour ces belles variations. Merci. Euh, mais mais le, le, ce, ce, ce chat de 15 ans s'appelle vraiment Neptune Oui. Parce que peut-être qu'au au, au mois, mois prochain, tu nous diras. Euh, euh, je fais euh, aussi une roulette wikipédienne sur euh, euh, le tigre de ma voisine qui s'appelle euh, Pluton. C'est bien possible, j'avoue. <laughs> bon, merci d'une telle franchise. Ainsi s'achève. Oh, mais oui, l'heure a passé bien, bien, bien trop vite. Euh, je vois vos mines déconfites. On va essayer de faire... Euh, Quelques annonces, bien que j'ai très peu de choses sous la main. Mais, euh, Paul, si on regardait d'un peu plus près ce, ce livre. <laughs> mais, mais oui. Donc, ce livre. Euh, C'est de la survente. <laughs> troisième volet euh, du triptyque consacré aux éditions euh, Dubois. Les éditions Dubois, je rappelle. Ben, hein. euh, donc, Robert Dubois, euh, qui lit sur sa liseuse dans le roman éponyme, il y a déjà quelques années, euh, La liseuse. Euh, Robert Dubois, que l'on retrouve. Comme éditeur de, de Jason Murphy, de, 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 un de ses auteurs de la B-Generation, un ami de, de, de Kerouac, bien sûr. Et puis, eh bien, maintenant, c'est Jeune Vieille. Alors, quel est le rapport Jeune eh Vieille, on pourrait peut-être. Allez, je dévoile simplement que ce titre, Jeune Vieille, est une, une petite homophonie approximative, disons, du prénom qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, du prénom de l'héroïne écrivain qui s'appelle euh, pardon Geneviève Roy. <laughs> Geneviève Roy. Bon, donc on la surnomme Geneviève. Geneviève. Euh, voilà. Bon, vous retrouverez donc Paul Fournel, les éditions euh, Robert Dubois et euh, Gene, Geneviève Roy dans Geneviève qui vient de paraître ben, il y a très peu de temps chez P.O.L. Mais alors, mais alors. Il y a quelque chose de tout neuf, à ce point neuf que je viens seulement de le recevoir, et il s'agit d'un roman très engagé, euh, enfin, bon, écrit à deux, enfin composé à deux. Euh, L'auteur euh, du texte, disons, étant le scientifique Ivar Eklund, et le dessinateur accompagnateur, humoriste, euh... C'est moi. Ah ben, ben, ben voilà, c'est Étienne. Euh, ça tombe bien. Ça tombe ça bien. Puisque tu es là, ça tombe bien. Là, donc ça tombe Alors, Étienne euh, euh, n'est pas opposé au, au, au jeu de mots. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a écrit là Urgence climatique. Oh là là, les calottes sont cuites. C'est fin. C'est assez fin. C'est assez <laughs> fin. Bon, venant de... Venant les Lécroix, on aurait pu s'attendre à « Les culottes sont cuites », mais enfin « Les calottes sont cuites », c'est mieux adapté à cette urgence climatique. C'est publié chez Casterman, c'est un, euh, un livre de dénonciation de... de oui, de... c'est un livre euh, donc sur le, le ce, ce réchauffement climatique qui est en cours, et donc on fait un point, on fait, un, on fait une sorte de, de tour de, de la question avec différents scientifiques qui viennent un peu nous... Nous, nous donner leur, leur point de vue de, de la chose. On l'aborde par plusieurs biais. J'essaye de vous montrer tous les deux. Nous bah sommes oui, que voilà. vous êtes là, hein, Ivar euh, vous... à gauche et Étienne à droite. Euh, voilà, donc ils sont, vous êtes souvent représentés parce que c'est un peu un dialogue. Oui, parce qu'il y a donc ces spécialistes qui viennent nous parler du réchauffement climatique et nous-mêmes qui sommes en train de faire le livre qui devisons régulièrement. Et, là, et puis alors avec quelques pleine page euh, voilà. euh, qui aurait pu être la couverture mais l'éditeur n'en a pas voulu. Mais... Et oui, elle était trop, comme ça. <laughs> trop euh, inquiétante. Peut-être, je ne sais Mais c'est une œuvre oui, d'art. dit, pourtant. Ça ferait une jolie couverture. <laughs> hein. C'est une belle couverture. Mais oui, là, là, euh, euh, ah, le, 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 dire, là. le dessin d'Étienne de, confine à l'œuvre d'art. Confine, si j'ose dire. Hein. Dubois, là, voilà. Bon, merci. Si, euh, je crains, hélas, que nous n'ayons plus d'autres euh, nouveautés. On en a déjà eu pas mal hein, cette année, en, en dépit de, de la euh, conjoncture un peu difficile. Il nous reste quand même à parler de la prochaine et dernière leçon de la saison. Comme d'habitude, j'oublie. Non, je n'ai pas oublié le mois. La prochaine, ça sera en juin. Ça sera en juin. Alors, je peux aussi dire que Pluton est en sortie des neuf planètes il y a quelques années. Elle n'est donc pas consacrée à Pluton. Mais. Aux Planète naine. Aux planètes naines. Et voyez, elle aura lieu le 17 juin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai noté sur mon, mon calepin. Tiens, c'est le petit calepin. Ah, c'est le petit calepin, là. <rire> <rire> Et puis, il y a une chose aussi qu'il faudrait peut-être commencer à préciser pour euh, tous les auditeurs qui sont dans cette salle ah, oui. c'est que à partir de la rentrée, les jeudis de Loulipo à la BNF auront lieu le mardi. Ça, ça c'est un coup de tonnerre ouais. Eh oui. Un coup de tonnerre, ça fait quand même euh, 25 ans à peu près qu'il y, qu y a des jeudis de l'Oulipo. Oui. Dans Et ça différents sera lieux. donc les jeudis du mardi de l'Oulipo. Ah, ça sera leur, leur nouvel intitulé. Donc les jeudis du mardi de l'Oulipo. Oh, bah je prends note tout de suite. Vous avez la date de, de, du, du mardi d'octobre, du jeudi du mardi bah, d'octobre je, je ne l'ai pas pas par cœur, non. bon. Alors, attendons. mais, euh, mais je pense pas... que dans le calpin, on pourrait, va nous trouver ça. Oui. ça en tards. tout cas, le jeudi juin, je le reprécise aussi, sera euh, comme aujourd'hui, avec un, 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 un public euh, extrêmement nombreux, mais, euh, mais évanescent, enfin, mais invisible, car nous ne voyons rigoureusement personne dans la salle, je dois, je dois l'avouer. mais à partir d'octobre, sous réserve. Mais je n'ai pas les dates. Euh, à partir de octobre, les jeudis, des mardis de l'Oulipo, les mardis des de l'Oulipo se, 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 se feront sous la forme ancienne, traditionnelle, séculaire, euh, et donc euh, avec Pendant un, public, avec et un public, toujours plus nombreux. Merci encore de votre présence par écran interposé. Merci à toute l'équipe de la BnF, euh, à la régie, au régisseur, au son, aux lumières, euh, à l'image. Et, et au mois prochain, au mois au de mois juin, prochain. comme nous l'avons dit. Merci encore.